Donc bonjour et bienvenue sur ce 11e épisode de Cooking Mama 3. Y'a personne qui a envie de le record, vas-y on continue. Bon allez vas-y on continue, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Un poulet tulipe? Non. Un poulet slip? Non. Qu'est-ce que j'ai lu? Déjà tu nettoies le poulet avant de lui mettre un slip parce que... Je veux pas dire mais c'est date, épisode, c'est sur poulet dégueulasse. Gaming, on fait du poulet. Excusez-moi mais ça c'est dégueulasse quand même. Ouais je sais pas exactement ce qui vient de se passer mais... Oui et en plus Thibaut a raison. Là qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, pourquoi tu fais ça, Mama? Pourquoi tu menaces ce poulet? Quelle est cette partie du poulet? Oui, en plus. C'est une cuisse? C'est une aile? Ça ressemble à une cuisse. Je pense que c'est l'aile. Je sais pas, mais moi je mange des haricots avec du fromage. C'est un nugget. Et moi je mange des nuggets qu'on dépe. Je comprends rien. Ah mais c'est pas des nuggets là, c'est... Je pense que c'était les ailes. Et les ailes sont... Il n'y a pas de viande sur les ailes. Voilà! Poulet tulipe, je savais bien que j'avais lu ça. Oui, c'est du poulet tulipe. Poulet tulipe. C'est essentiellement du poulet que tu retournes, hein, que tu utilises l'os comme racine de tulipe, entre gros guillemets. Ah, c'est dégueulasse en fait. Bah non, c'est de la viande. Non, en fait, c'est une espèce de sucette au poulet. Ah non, ouais. Quoi ouais, qu'est-ce que tu fais ça alors? Bah tu l'épices. Tu l'épices comme ça? Tu prends pas un, tu le mets pas dans les épices, tu vois? C'est genre tu. C'est ça, tu mets ta main dedans. Vas-y, fonde le poulet avec tes épices. Effectivement, Megan, je crois que c'est des ailes de poulet, en fait. Bah, je crois, oui. Faut pas déconner, ça ressemblait plus à des ailes qu'à une patte peut-être, ou à autre chose. Peut-être du pilon. Peut-être du pilon aussi. Non, le pilon, il a pas deux os. J'en ai aucune idée, moi. Quand je vois un poulet devant moi, déjà, je le mange. Je l'étudie pas pendant 4h30. Le mec qui va à la ferme. Bon, alors là, c'est la basse-cour. Bah excusez-moi, dès que je vois un poulet, je suis obligé de le manger. C'est trop bon le poulet, j'en mange pas souvent. Ouais, c'est cher à faire. Faudrait que je m'en achète. Bah moi déjà j'ai pas de four, donc ça va être compliqué de faire un poulet rôti au micro-ondes. Ouais. Ça. Bah tu fais voler ton appart et tu mets ton poulet dedans. Tu fais comment et tu le fais rôtir à la poêle? Ah bah tu fais comment? Je pourrais aussi faire ça. Ah ouais, m'acheter des blancs de poulet, c'est pas con tiens. Bah ouais. Ou alors tu le fais frire, comme tout le monde. Ah bah oui, des blancs de poulet, et comme ça je passe mon pain sec. ça fait une semaine que je mange du pain perdu pour passer mes 4,5 kg de pain sec. Ah oui, quand même. Pourquoi t'as 4,5 kg de pain sec aussi? Parce que l'année dernière, je m'achetais 6 baguettes par semaine. Enfin, je m'achetais 6 ou 7 baguettes, mais une fois par semaine en fait. Et du coup, je le mettais au congèle, mon pain. Mais sauf que ce congèle pain... Il était ce compte pain, il était tellement mauvais en fait. Enfin, il était pas mauvais au goût, mais il était de mauvaise qualité. Et du coup, ce qui fait qu'il séchait dans le congèle. Lol. Donc en fait, au bout d'une semaine, quand je renouvelais mon stock de pain, bah même pas en fait, au bout de 3 jours, mon pain il était sec dans le congèle. Donc du coup, bah ça servait à rien. Et donc du coup, je me suis retrouvé avec énormément de pain sec. Voilà. Tant pis. Bah du coup, je me fais du pain perdu. C'est très bon, le pain perdu. Oui. Oh, il y a bien le pain qui est perdu. Mais qui ne l'est pas vraiment? Il y a bien eu le pain. Il est égaré, le pain. Je t'ai fait du pain égaré. Quoi? Il est loin. Mais il est où? Pas là. Ferme ta gueule. Pas là. Ferme ta gueule, pas là. Merci, Megam. Non, c'était moi. Non, ta gueule. Pas là. Quoi? Faire. Allez! Date épisode, quoi. C'est oui. En même temps, tu veux dire quoi sur le jeu, bordel? Absolument rien, il y a des. Bah, si, on écume de la mousse. On écume de la mousse, et c'est pas des pâtes, ça, si, c'est quoi? Non, c'est du soja. C'est du soja. Écume-moi la mousse, c'est du soja. Pas ta mère. Ouais, alors ça doit être du soja, c'est ça. Putain. Allez, mousse-moi bien, hein. Pourquoi Mickey Mousse? Parce que Mario Bros, ta gueule. Exactement. On a perdu Megam, il a pas compris. Si, mais en fait, comme je l'ai dit juste avant, je vais aller bouffer. Et vous m'avez dit c'est pas grave si je m'absente au milieu de l'épisode. Alors je vais y aller, donc je reviens. Non, tu manges devant le PC comme tout le monde. Cooking Mama. Oui, je sais, mais faut quand même que j'aille chercher ma bouffe. Ok, vas-y. Cooking Mama, enfin Mama, elle a tellement le swag qu'elle a sa propre marque de robot mixeur quand même. Oui. Ah bah... C'est un truc qu'elle a fabriqué elle-même au fond de sa cave. Pourquoi, Mama, tu prends un baluchon pour te barrer? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui va pas bien dans ta vie? Cooking Papa, il te frappe? Hein, c'est ça? Cooking Papa. Cooking Papa.
Et Cooking Fiston, il te moleste? Non, c'est quoi, quoi? C'est dégueu. Quoi? Je crois qu'elle a un gosse, mais il a genre 6 ans. Et? Ça l'empêche pas d'être molesté. C'est dégueulasse. Honnête. Ouais, un peu, ouais. J'aime bien le molestage. Me revoilà. Non, on parlait pas de ça, on parlait du lait de soja. Il aime bien le molestage quand même, hein. Ouais, j'aime trop... bien mettre du lest. Bah ouais, c'est ça, le mot lestage en fait. Mot lestage. Ah. Alors... Merci Silver, quoi. Non, mais les gars qui comprennent rien, quoi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Tu fais quoi? Tu fais des crêpes? Non, non, c'est. Quand tu fais bouillir le lait, bah il y a des trucs de lait de soja, bah il y a des trucs qui remontent. Les impuretés et tout. Et ça fait une croûte. Et du coup, tu récoltes la croûte. Pour en faire quoi? Je sais pas. D'accord, un peu comme quand tu t'es fait mal et que du coup, tu récoltes la croûte. Et après, pour la manger. Ah, vous faites pas ça, vous? Ah, pardon. Non. Non. Non, j'ai pas envie de faire ça de toute façon. Et après la croûte? Le pu. Le pu. C'est dégueulasse. Ok. Comment vous avez trouvé ça en même temps? Alors, c'est dans quoi? Bah, c'est une blague en fait. On te racontera une blague. Non, on peut la dire maintenant. Non, on peut la dire maintenant parce qu'on a rien de mieux à dire. Donc je propose qu'on la dise maintenant. Tu veux la faire, Silver? Si tu veux, moi je narre et toi tu fais les voix. Si tu veux, ça va être très bizarre. Alors, c'est un mec en fait, il va aux putes, simplement. Voilà, c'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Encore plus drôle. C'est un petit garçon qui va aux putes, très bien. Et du coup, il a que 10€ sur lui. Et du coup, ce qui fait qu'il va voir des putes, bon, il va voir les bonasses comme ça, et les putes, elles lui font, bon, bah écoute, ouais, si tu veux, je te fais des trucs pour 50€, je te fais la totale pour 5. Alors, un gamin, il fait 50, ça fait cher, enfin, j'ai pas 50. Du coup, il va voir les un peu plus vieilles, toujours bonnes, mais un peu plus vieilles quand même. Du coup, elles font, bon, bah, on n'est pas de première fraîcheur, on te le fait pour 30€ si tu veux. Enfin, je te le fais pour 30€ si tu veux. Un gamin, il fait, ouais, mais non, mais c'est encore trop cher. Enfin, il se dit, c'est encore trop cher. Et du coup, il va voir une vieille comme ça, et la vieille, elle lui fait, bon, bah, moi, je te fais tout pour 10€. Alors très bien, bon bah le gamin il s'en fout de toute façon, ok. Et donc il se tape la vieille comme ça, et puis quand même quand il lui fait l'amour c'est tout râpeux et tout, c'est dégueu. Mais bon, enfin c'est toujours ça de prix. Et le lendemain il y retourne, et il a encore 10€. Enfin il a repris que 10€ parce qu'il est un peu teubé le gamin, du coup il aurait pu prendre 50€ mais c'est pas grave. Et du coup il va directement voir cette vieille. Et là, il commence à lui faire l'amour et tout, et là ça glisse bien, tout va bien, tout ça, tranquille et tout. Et là, du coup, à la fin, il lui fait, mais je comprends pas, hier c'était tout râpeux et tout, et aujourd'hui ça glissait, je comprends pas, comment ça se fait. Et là, les vieilles, elles lui fait, Thibaut. Ah bah après la croûte, le pu. C'est bien dégueulasse quand même. Voilà. Tu t'attendais à quoi, honnêtement? Absolument à rien, non mais c'est dégueulasse quand même. À rien mais pas à ça, d'accord. Et du coup, ça me fait un peu penser à ça parce que je suis en train de manger des haricots et du fromage. Ah tu me dégoûtes. D'accord. C'est dégueulasse. T'en as pas d'autres comme ça pour combler les 10 minutes qui restent? Putain, le teaser il sera trash à mort si tu continues comme ça. Si tu veux, moi j'ai une blague sur toi, Chouka. Ah vas-y. Ta bite. C'est pas une blague. Si, c'est une blague, ça bite. Non, mais c'est une blague, ta bite, hein. Je suis désolé. Mais... D'accord. Voilà. On en reparlera à la Néocast. Si tu veux. On fera des combats de sgeg. Ça va être ça, notre panel, en fait. Ici, combat de sgeg pour 10€. Le kata de sgeg. Regardez notre beau stand. Il est pas magnifique. Il y a des bêtes partout. Mes couilles sur ton nez. Alors ça fait un dindon. Oh wait. Payez 10€ pour avoir mes couilles sur votre nez. Attends, les couilles de Chouka. Vous savez qu'il y a un mouvement photographique hein, qui s'appelle le Nutscape et qui consiste à mettre ses couilles en plan de la caméra. Ouais. Pas mal. Vous pouvez chercher sur internet en Nuts. Non, si c'est ça, Nutscape. Non, attends, Nut. Oui, Nutscape. Nutscape, oui, c'est ça, Nutscaping, c'est ça. Consiste à mettre votre paire de couilles devant la caméra. Du coup, désolé, mesdemoiselles et mesdames. Ça va être compliqué pour vous. Ce n'est pas pour vous. Ou alors si, mais c'est très bizarre.
C'est pas la même paire de couilles. Disons que c'est plutôt elles qui prennent ça en photo, je pense. Parce que perso, je trouve ça compliqué de le faire tout seul. Dans... Sinon, c'est comme ça qu'on faisait des hamburgers chez McDo. Et regardez les difficultés motrices de la jeune. What? Ah oui, mais t'as toujours du mal de le faire. Hein. Mets sur la table. Mets sur la table. Pourquoi elle se déplace en même temps? Elle est con, elle pourrait juste le poser. Pourquoi surtout? En fait, elle est bourrée parce que l'assiette, quand tu transportes une assiette, tu arrives à la maintenir à droite en fait. En fait, il y a un séisme, on est au Japon. C'est pour ça que le burger ne glisse pas sur la assiette. Les difficultés motrices. Bah oui, parce que le référentiel du burger est le plateau, donc... La gravité s'exerce toujours vers le bas. T'as trop de science en toi, Thibaut. Non, mais en fait, elle marche à quelle vitesse? Parce que là... Ah, surtout, elle va marcher jusqu'à où? La fille, regarde la taille des mains qu'on a tué à la table. Genre, le matin, elle part de chez elle avec l'assiette, et elle fait, elle a sa mère qui lui fait « Mais qu'est-ce que tu fous? J'ai apporté le burger pour ce soir. » Ah d'accord, très bien. Ouais, d'ailleurs, puisqu'on parle de burger, qu'est-ce que vous mettez dans votre burger? Moi, je m'en fais pas. Moi, quand... Du fromage? Ouais, De la salade? Non. Et de la sauce barbecue? Et des tomates? Et du steak haché? Moi, déjà, je mets un steak. Du bacon, et des oignons, et du cornichon. Ça serait pas mal si on répondait tous un à la fois, mais bon. M'en bats les couilles. Non, tout en même temps, c'est bien. Bah, Chouka, toi, tiens, qu'est-ce que tu mets dans ton steak? Tu mets du sirop d'érable et des pancakes? Dans ton steak? Oh, mec! Oh! Oh, putain, c'est une merveilleuse idée. Je vais me faire des gaufres, je vais mettre une boulette d'hamburger, je vais mettre laitue, tomate, fromage, ketchup. J'ai jamais vu des tranches de pain tomber aussi lentement. J'ai jamais vu un toaster capable d'envoyer les toasts aussi haut. Et griller aussi rapidement, en fait. Il faut pas oublier le sirop d'érable dans un burger avec des gaufres. Ah oui, putain. Mets de la sauce barbecue avec. Non. Bah si. Non, je préfère le ketchup. Et avec ça, tu fais des rondelles d'oignons et des frites. Des rondelles d'oignons. Te calme. C'est parce que c'est des dégueulasse. Rondelles. Les oignons rings, ça existe pas trop en France. Si, mais que dans les barrières. Si, je sais ce que c'est. Si, je sais ce que c'est, mais je pensais à autre chose et c'est dégueulasse. Ah non, mais c'est très très bon. Hein. Ah, tu pensais à les cock rings. Non, mais non. Je suis sûr que oui. Ne te vois pas la non, face. Non. Et pourquoi est-ce qu'elle a pas fait du pain perdu, la gosse? Je sais pas. C'est tellement badass mais, de déjà, faire des toasts avec un œuf dessus. Hein. J'ai jamais vu ça, moi. Bon. Des lasagnes. Tu as reçu un nouvel objet. On est d'accord, c'était une balle en or, quand même. Hein. Enfin, une balle de fusil en or. J'ai absolument pas noté. Bah, repasse le passage, alors. Oui, on dit vraiment quand je fais caca le matin. Je crois qu'on l'avait déjà dit. On l'a fait maintes fois. Ouais, je pense aussi. Là. Et j'ai appuyé sur le l'épisode 4. T'es un génie. Non, en fait, j'ai appuyé sur le truc de Windows, ça a appuyé sur l'épisode 4. On a combien de minutes? On est à 14 minutes 98. On est à 13 minutes 45, 46, 40. Ah bah, je suis synchronisé. 52, 53, 54. Oh, ta gueule! 57, 58. Oh, putain, le mec. Bon, 78, 49, 22, 75. Épisode 11, c'était à. Voilà. C'est pas un dessert que je me suis fait, c'est un diabète express. C'est même pas un diabète express en plus, parce que c'est ultra sain ce que je me suis fait. C'est juste compliqué énorme de manger. En fait. J'ai mis deux yaourts, de la crème et de la compote. Oui. Non, c'était un crayon de cire. Ah, c'était pas une balle. Non, comment est-ce que vous mangez vos œufs, vous? Avec la bouche. À la poêle. À la poêle. Honnêtement, avec ça dépend, mais ouais, généralement, quand je me fais des œufs, c'est deux œufs au plat, parce que ça va très vite. Rarement des œufs durs. En vrai, je m'en fais quasiment jamais. Et il faudrait que je me fasse des œufs à la coque. Méga. Il a dit au plat, mais Thibaut aussi au plat, parce que c'est faible. Okay. Pas chier.
Moi, je les ai brouillés. Mais je sais pas. Parce que tu sais pas les faire, quoi. Ouais, exactement. En vrai, les œufs brouillés, c'est vachement dur à faire. Ou des omelettes, des fois. J'ai essayé de faire des œufs brouillés un jour, bah. Non, les œufs brouillés, c'est tout ce qui. Tout ce qu'il fait, en fait, Chouka, c'est... Oui, mais en vrai, c'est super dur de pas les faire brûler. J'ai essayé une fois, en fait, j'ai fait des œufs brûlés. Ah ouais, le mec. Parce que tu les as laissés trop longtemps, en fait. Bah si, justement. Et tu les as pas mélangés. Mais bon. Et puis, de toute façon, j'aime pas ça, les œufs brouillés. Bah c'est bon, ta gueule. Sauce blanche, très bien. Et tout ça dans une boîte de conserve. Bah, ici. Oui, j'ai vu, et c'est Mama Sauce. Marqué Mama Sauce dessus. Mama, elle a une espèce d'empire en fait. C'est comme Mom dans Futurama. Bah, c'est comme Maman dans Futurama quoi. C'est... Voilà. Non, t'as dit Mom, j'ai plus pensé à World of Goo en fait. Est-ce qu'on fait un playthrough de World of Goo? Non. Non. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que je fais des lives sur World of Goo? Non. Éventuellement, mais pas dans cette taxi. Éventuellement, mais quand tu seras mort. Yes. C'est un peu dégueulasse quand même de poser... Genre, c'est tout droit. J'aimerais bien poser des trucs aussi bien vite que... aussi bien et aussi vite que toi, là. Mais bon. J'ai envie de manger du lasagne, maintenant. Bah, vas-y. J'en ai pas. Tout à fait le moment. Non. Quoi? Non, ok. Je crois qu'il existe. Je crois que c'est le truc le plus con qui existe dans le jeu. À partir d'un moment, j'en ai plus rien à foutre et je fail automatiquement ce truc en fait. Tellement j'en ai rien à foutre. C'est une perte de temps. Je suis d'accord. Ouais. Plus un. Ouais. Plus 10 000. Ferme ta gueule! Pardon. C'est vrai que j'ai déjà fini ce jeu à 100%. Oui, on sait que tu n'as pas de vie. T'avais rien à foutre de ta vie. Oh là là, j'ai entendu nique ta mère. Quoi? Quoi? Et ton père? Putain. En même temps. J'aurais pas apprécié. Hein. Pardon. C'est bon les mecs, il reste que 5, 7 épisodes. Ouais, 7 épisodes que je ne ferai pas. C'est 7 de trop. Bon allez, on vous dit à la prochaine et on vous fait des bisous. 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 Putain le mec, mais il reste 10 minutes avant la fin de l'épisode, bordel. Non mais j'en ai marre, putain. Bisous. Calice d'hostie, Chris de tabarnak. Ciao.